Je me couche, elle va se réveiller, je vais me faire engueuler. Antoine, il m'a dit, t'es le réveil qui fait minette. Donc là, je rentre dans le champ, je ne sais pas vous, mais Mich, je suis équipé d'un détecteur et de pied de lit. Ah, j'ai un détecteur et de pied de lit. Mathieu Orteil. Ah ben, t'es mis un lit dans un champ, pas. Pour faire un bruit, la grand-mère a fait. Ça fait mal, hein. J'ai bon, elle est repartie. Vous savez, j'ai du cap temps, donc j'ai... Donc... J'ai porté chez pied de chli. Minette. Bon, Antoine, il l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors, je déborde chez pied de chli. Là, je dis, je vais y aller. Mon reste se fait virer un homme. Je prends une grande inspiration. Et puis, je passe le tchette en dessous de la couette. Oh, et je trouve ses pieds. Bon, il m'a dit, t'es vraiment petit féminin. Ben non, je monte, j'arrive à chez Doux, et là, je cramponne Madeleine par sa bassin, et là, boum, 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 j'ai fait minette. Alors tout de suite, je suis allé réveiller, hein, le combat, je fais, vous savez, c'est comme quand t'attrapes un pichon qui bouge, enfin, lui, j'attends rien, parce qu'elle serrant ses cuisses sur mes oreilles, dit, j'attends rien. Eh, un enfant, le tour de chelit, au bout de 30 secondes, j'avais perdu ma natier. Mais j'ai dit, je ne vais pas me faire engueuler. Merci Antoine, merci Antoine. Bon, au bout du troisième ouyouyou, j'ai dit, Madeleine, 5 heures, il ne va jamais tenir. Elle va arrêter là. On a arrêté. J'ai rebordé le chemin. Victoire, je ne vais pas me faire engueuler. Bon, ça donne soif ces trucs-là, hein. Dis bon, allez, on va retourner, boire un coup dans la cuisine quand même. Je ferme le port, je déchire la cuisine, et je déchire les escaliers, et là, je rate la cuisine, la lumière, elle est tout allumée. Sur qui je tombe? Madeleine. Elle me dit, fais pas de bruit, il y a un moment qui dort dans notre chambre.